Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de swimrunner et plus particulièrement ma préparation pour le défi Agrippa. Le défi Agrippa, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est ça, en fait, ça consiste en une traversée de la France du nord au sud en courant, 30 jours de course, 60 km par jour et puis pour rajouter un petit peu de difficulté, je vais rajouter aussi un peu de la nage tous les jours. L'objectif de ce défi, en dehors de l'aspect sportif, c'est aussi de soutenir deux causes. La première, c'est Imagine for Margot qui lève des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants et la deuxième, c'est une association qui lutte pour l'environnement. Voilà, pour soutenir le projet, rien de plus simple, patreon.com/hermano. Et puis, si vous pouvez aussi liker cette vidéo, la partager et en parler au plus grand nombre. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous emmène avec moi en parcourir. Ciao! Salut les sportifs, c'est Hermano. Nous sommes vendredi matin et je reprends enfin le chemin de l'entraînement course à pied. Alors je vous ai laissé mardi matin sur une dernière vidéo où je vous disais rendez-vous cet après-midi pour tester le 20 km. Finalement, j'ai pas testé puisque la douleur au genou était plus intense. J'ai contacté mon coach qui m'a dit stop au moins pendant 2 jours. Donc stop mercredi. Jeudi, j'ai juste été nager. Et aujourd'hui, on reprend tout doucement. Bon, on en a parlé dans le podcast qui sort demain sur la préparation du défi. La semaine aurait dû être à 150 km de course à pied, elle va être à 40, mais il fallait faire une pause. J'ai pu voir mon kiné mardi soir, ça tombait très bien, comme ça il a pu regarder un petit peu le problème de genou, et pour lui c'était un problème de quadri externe qui sollicite trop la rotule par rapport au quadri interne. Donc du repos, un peu de muscu avec des exercices qu'il m'a montré, et puis là on va tester ce vendredi matin avec un tout petit 10 km. Allez, c'est parti, on va en forêt. Je vous emmène avec moi. Allez, c'est la fin de la session du jour. Déjà, première chose, même si je suis un peu trop sur la retenue et pas mal d'appréhension, le genou va bien. On verra d'ici une heure ou deux, une fois que ça se sera refroidi, mais pour l'instant, tout va bien. Ouais. Sinon, j'étais parti pour 10 km dans la forêt de Zhoujun. J'aurais fait un petit peu plus, 11 je crois. 6,23 de moyenne, donc c'est vraiment l'objectif, c'était d'y aller doucement pour tester la remise en condition avec le genou. Cette fois-ci, j'ai laissé de côté les Five Fingers juste pour voir aussi si ça pouvait avoir un impact sur la douleur. Donc je suis retourné avec mes Altra Escalante. On va voir ce que ça donne d'ici la fin de la semaine. Voilà, allez, sur ce, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Salut les sportifs. En haut, si elle vous a plu, ou vers le bas, si ça ne vous a pas plu. Mais pour vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à aller faire Agrippa et Imagine for Margot, qui est une RMA2NO. Je vous y attends. Je vous souhaite une très, 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 très bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous.